Pour chaque voiture qui arrive à l'atelier, c'est le même rituel. Cet appareil mesure le taux de transparence des vitres teintées à l'avant du véhicule. Ici, on est loin des 70% exigés par la réglementation depuis le 1er janvier. Il faut donc retirer ces films solaires. Depuis 2 semaines, cette société accueille chaque jour une vingtaine d'automobilistes venus se mettre aux normes. Il s'avère que la majorité des films posés, quel que soit le film et la teinte, aujourd'hui, elle est hors norme, puisque la nouvelle réglementation applique 70% de visibilité. Aucun film, à part du film transparent, fait fonction de 70%. Les films solaires sur les vitres des voitures, un équipement fréquent en Guyane, beaucoup d'automobilistes ont du mal à comprendre l'interdiction des vitres surteintées. C'est une mesure qui est unique, inadaptée au territoire, car les films teintés, quand même, ils servent à quelque chose, notamment pour la luminosité. Et devoir les retirer, c'est dommage. Cette mesure d'interdiction fait partie du plan sécurité routière annoncé début 2015 par l'ex-ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. L'objectif, c'est de pouvoir contrôler et empêcher les comportements dangereux au volant. Donc quelqu'un qui téléphone, par exemple. Et puis surtout, nous pensons tous en particulier à la Guyane, la majorité de nos accidents, c'est les cyclistes, c'est les piétons. Il paraît évident que si le cycliste ou le piéton voit le conducteur, va s'apercevoir qu'on le regarde ou ne le regarde pas, c'est une mesure, je veux dire, de protection et d'éviter l'accident. Depuis le 1er janvier, les contrevenants s'exposent à une contravention de 90 euros et 3 points de retrait sur le permis de conduire. Police et gendarmerie ne disposent pas d'appareils de mesure homologués en Guyane. Les contrôles se feront donc de visu sur les véhicules porteurs de films solaires ajoutés sur les vitres.